Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le point sur le mercato. On va parler beaucoup du PSG parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, mais pas que. Lyon, le Barça, c'est parti, les amis. On va commencer par Lyon qui s'apprête à vendre Ndombélé à Tottenham pour 60 millions d'euros, une somme énorme alors on pensait pas du tout qu'Endombele allait partir vers Tottenham on le voyait plutôt partir vers une encore plus grosse écurie sans manquer de respect à Tottenham mais là ils mettent vraiment le jackpot 60 millions d'euros et je trouve que c'est bien pour eux je pense qu'il va être titulaire parce que on se rappelle que à 7 points de basse euh, du milieu de terrain de Tottenham c'était un petit peu leur point faible et là je pense qu'avec un Ndombele au meilleur de sa forme en Angleterre ça peut faire très très mal la nouvelle est tombée Hier dans la nuit très tard, c'est pour ça que je ne vous en avais pas parlé bah, du coup hier, mais Bouffon s'apprête euh, sûrement à rejoindre la Juventus, à retourner à la Juventus. Il lui propose un contrat d'un an assorti d'une place dans le staff de l'équipe, ce qui serait vraiment euh, parfait pour lui. Alors je ne pense pas qu'il retrouvera une place de titulaire, mais euh, bah, une année à seconder Chesnik a fait euh, pour l'instant de très bonnes prestations. Je pense que ça peut être parfait pour lui bah, qu'il retrouve tout simplement son club de cœur. On part maintenant au Paris Saint-Germain, on sait hein, qu'ils vont agiter euh, énormément le mercato cet été. Et donc, il y aurait eu euh, deux milieux de terrain qui seraient prêts à rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce serait pratiquement fait, on n'attend plus que l'officialisation. Euh, Herrera, hein, qui va venir libre de Manchester United, ce qui est très bien. L'Espagnol, donc, bah, qui arriverait libre. Donc, ça va être tranquille pour le fair play financier. Et Sarabia, un milieu de terrain... Euh, offensif très bon qui va venir de Séville. On sait que Séville a tout fait. Pour le garder, mais euh, bah lui il voulait venir dans la capitale, donc euh, le PSG va le payer 30 millions d'euros, ce qui est vraiment euh, pas grand chose hein, parce qu'il est très jeune, il est très talentueux et il va toucher à peu près 4 millions d'euros euh, comme salaire. Donc euh, pour l'instant, euh, deux très bonnes recrues au milieu de terrain en attendant, peut-être, comme je vous en parlais hier, la venue de Milin Savic, les amis. On reste au PSG et là on va parler du matador Cavani qui a déclaré qu'il voulait rester euh, au PSG. Voilà, il lui reste une année de contrat. Il a donc décidé, il a donc envie plutôt de rester bah, cette année, tout simplement pour pouvoir partir libre l'année prochaine et donc choisir son club. On sait qu'il y a notamment son ancien club, Naples, euh, mais également l'Atletico qui sera intéressé et surtout euh, même euh, avec un an de plus, s'il est gratuit, s'il est libre, il y aura beaucoup de clubs dessus. Je pense que le PSG va essayer de le vendre cet été parce qu'on sait qu'ils ont besoin de liquidités pour le faire play financier. Et il vaut le mieux le vendre. Bah, cet été plutôt que de le voir partir libre euh, en juin prochain. Donc euh, affaire à suivre les amis en tout cas. Matador lui il a envie de rester. Pas sûr que le PSG veuille le garder. Retournement de situation euh, pour Rabio. On sait hein, qu'il se rapproche très fortement de la Juventus. Mais on sait aussi que Leonardo est revenu au PSG et que Leonardo aimait beaucoup Rabio. Apparemment du coup le PSG aurait fait une proposition de contrat. Rabio. Le petit souci, c'est que c'est une proposition bah, bien moins importante que celle de la Juve. Alors, est-ce que l'attrait, est-ce que l'amour du PSG pour Rabio le fera rester au détriment de l'argent Je ne pense pas, les amis. À mon avis, il va se diriger vers la vieille dame très rapidement. Et enfin, on finit euh, toujours avec le PSG. Ils auraient décidé d'abandonner la piste Alan, le, le Napolitain, euh, tout simplement parce qu'il coûte trop cher. Le Naples en veut 70 millions d'euros. Le PSG euh, n'est prêt à en mettre que 50. Donc il euh, n'y a pas de négociation possible. Donc ils ont dit on va arrêter. Attention, il hein, faut se méfier quand, euh, quand on dit ça dans les, dans les journaux parce que euh, on sait qu'ils ils ont ciblé Milin savic de la Lazio, mais s'ils n'arrivent pas à l'avoir, ils vont peut-être finalement retourner bah, sur Alan. Donc, à voir. En tout cas, pour moi, ce n'est pas vraiment le même profil. Collins Saville, c'est plutôt un milieu relayeur, un peu dans le style de Verratti, vous voyez, un petit peu plus haut sur le terrain. Alors qu'Alan, lui, il peut le jouer dans cette pointe base du milieu de terrain. Mais, euh, bah, voilà, hein, pour l'instant, on sait que le Paris Saint-Germain n'aura pas les moyens euh, d'acheter les deux joueurs. On part maintenant. À Lyon, plutôt on retourne à Lyon, puisqu'on en a parlé au début de vidéo, et là bah c'est quelque chose qui m'a étonné. Apparemment, Thiago Mendes, le milieu de terrain brésilien de Lille, euh, serait en train de rejoindre l'OL pour 25 millions d'euros. Alors, moi, ça me paraît vraiment rien du tout. Ça a été un des meilleurs milieux de terrain euh, cette année de Ligue 1. On sait qu'il y a de nombreux écureuils en Angleterre qui le voulaient. Alors, si Lyon arrive à l'avoir, c'est vraiment une très bonne chose. Pour eux et également pour notre championnat, puisque là il va être encore plus exposé à Lyon. Et 25 millions d'euros pour ce jour-là, bah franchement, c'est vraiment rien du tout. On continue à Lyon, encore une fois. Vous voyez, ça, il n'y a pas que le PSG. Hein. Et là, on va parler Nzonzi. Enzonzi, lui, il veut aller à Lyon. Le problème, c'est que Lyon, bah, n'en veut pas forcément. Lyon n'en a pas forcément besoin. Hein. Euh, même si n'en les part, on voit qu'il y a quand même euh, des recrues. Et. Ben, bah, il a tout simplement séché les contrôles médicaux euh, de la SROM, donc euh, pour faire un petit peu pression sur son club. Alors, est-ce qu'on verra Enzonzi rejoindre euh, les Lyonnais Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Euh, en tout cas, il n'a vraiment pas fait une bonne saison en Italie, alors qu'il était très bon en Espagne. Un peu décevant, Enzonzi. Donc, euh, moi, j'aimerais bien le revoir euh, à Lyon. Franchement, ça me ferait plaisir. Et je pense que, du coup, il pourrait avoir un milieu de terrain énorme. Bon reste à quand même à régler le problème de Touzard. Hein. Touzard, euh, l'international espoir français, très bon. Il va bien falloir qu'il soit titulaire à un moment donné. Donc ça leur ferait euh, Touzard, Awar, Thiago Mendes, euh, nzonzi Ça commence à faire beaucoup. À voir, à voir comment ils vont s'en sortir. À moins, à moins qu'ils vendent Awar à, à la surprise générale. Et là, ils récupéraient encore un énorme chèque. J'en parlais hier, le comte, le gardien de Montpellier, se rapproche euh, de Monaco, mais pas tout seul. Avec Aguilar, les deux jours ont fait vraiment une très bonne saison. Et donc euh, il se dirige tout simplement vers Monaco. Monaco qui fait pour l'instant un recrutement euh, assez intéressant. Ils vont vouloir jouer bah, le haut du tableau après leur saison vraiment euh, très compliquée euh, de l'année dernière. Donc, pour l'instant, le compte Aguilar, deux très bonnes recrues pour Monaco, même si ce n'est pas encore officialisé. On reste en France, à Rennes, Mbai euh, Nyang, Mbanyang, qui a été acheté euh, 15 millions d'euros il euh, bah, n'y euh, a pas longtemps. Il a Ils ont reçu une offre de Chine. Ils voudraient l'acheter 25 millions d'euros avec un salaire de 10 millions annuels, ce qui est énorme. Alors, est-ce que Rennes va céder à l'appel de l'argent ou est-ce qu'ils vont bah, préférer le garder alors qu'ils viennent de l'acheter Bah, à voir, à voir. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, les amis. Et enfin, on va finir par trois énormes clubs. Euh, le Bayern, le Bayern qui voudrait arracher Ousmane Dembélé au Barça. On sait que le Barça a déclaré Ousmane Dembélé intransférable il n'y a pas longtemps. Mais ça, c'était avant, avant que l'on reparle de Neymar au Barça. Alors, vous avez été beaucoup à m'en parler hier. Pourquoi tu parles pas de Neymar Est-ce que tu crois qu'il va retourner au Barça Moi, oui, je pense qu'il va retourner au Barça. Tout simplement parce que bah, il en a envie et c'est compliqué de garder un joueur bah, qui veut plus jouer dans ton club. Donc moi, à la place de, du Paris Saint-Germain, je le vendrais. Et donc, ça libérerait du coup Dembélé. Dembélé, du coup, qui pourrait. être acheté par le Bayern, donc ça pourrait faire un espèce de, de, de cercle Neymar au Barça, à la place pourquoi pas Coutinho et Umtiti, On parle d'un échange au Paris Saint Germain et du coup Dembélé partira en Allemagne, On retrouverait la Bundesliga, mais cette fois au Bayern, ce serait pas mal les chaises musicales à faire à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis le Real maintenant, on sait que le Real est en reconstruction avec Zinedine Zidane, on sait que le Real a besoin d'un milieu de terrain, on sait que le milieu de terrain qu'ils veulent absolument, c'est Pogba, seulement Pogba, bah Manchester United a dit, c'est 150 millions d'euros. Ça leur fait un petit peu beaucoup, et du coup, ils ont trouvé une voie de secours au cas où ils ne pourraient pas recruter Pogba, ils, ils songent pardon, à Van de Beek, le milieu de terrain offensif de l'Ajax, le maître à jouer de l'Ajax. Et l'Ajax les a déjà prévenus, c'est 60 millions d'euros. Donc 150 pour Pogba, 60 millions pour Van de Beek. Ça fait moins galactique Van de Beek. C'est vrai que Pogba, c'est plus clinquant. À voir à quelle mesure ils sont capables d'investir sur, sur un Paul Pogba, champion du monde. Et enfin, petite rumeur encore une fois bah, du côté du Barça, euh, par rapport à Delirte. On sait que Delirte... Il y a de grandes chances qu'il rejoigne la Juventus. Je vous en parlais hier. Il y a de grandes, grandes chances qu'il rejoignent la Juventus. Et donc, bah, qu'il ne rejoigne pas le Barça. Le Barça veut se renforcer défensivement. Alors qu'ils ont quand même un Piqué qui a fait une saison exceptionnelle. Ils ont un Clément Langlais qui a fait une très très belle saison. Ils ont un HumTiti qui est quand même international champion du monde français. Et bien, bah, ils ont décidé. Enfin, il y a une rumeur plutôt qui dit que s'ils n'arrivent pas à, re, à, à recruter Delirte. Il, il songerait à Lindelof, le, le défenseur de, de Manchester United. Alors Manchester United, c'est pareil. Hein. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Ils veulent se renforcer. Ils ne veulent pas s'affaiblir. Pour moi, il n'y a aucune chance qu'ils vendent Lindelof. Voilà les amis, les infos de ce jeudi 27 juin. On se retrouve demain. Bah, bien sûr, s'il y a de nouvelles infos. Hein. Allez, c'était Luthor. Ciao les amis et bonne journée.